Bonsoir, bonsoir à tous. Donc voilà, donc on est là pour une nouvelle session de Silent Hill. J'ai failli mourir il y a pas longtemps dans la IRL et dans le jeu. Donc ça y est, on vient d'arriver au parc d'attractions. On est sorti des égouts, effectivement. On est sorti des égouts. Il me reste, ça va. J'ai encore un petit peu de vie. La caméra bouge. On est toujours en mode, donc en mode cauchemar. Et donc on doit rejoindre Sybille au parc d'attractions. Et je le sens pas du tout. Oh putain, ça en fait quick. De nouveau les pingouins. Alors comment ça va tout le monde? Comment ça va tout le monde sur le chat? Oui, bien sûr qu'on te voit. Attends, parce que je regardais plus la caméra du coup. Je te regardais toi. C'est un peu trop calme. Vous avez la potion rouge, oui, on a la fiole de sang. Ouais. Ah, et une taupe là. On va prendre le... Faut peut-être mieux monter pour la tirer. Ouais. On va prendre la pioche. Ils ont jeté Jorus à la poubelle, il fonctionnait plus. Il arrive. Qui est-ce qui a dit ça? C'est... Okaina. Je retiens. Ah, je vais lui spoiler Metal Gear. Alors... Je vais lui spoiler Metal Gear à Okaina. C'est vrai? Ouais. À la fin, le magicien, il tombe dans un trou et il meurt. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je peux entrer? Non, je peux pas entrer. Oh, la caméra mal placée! Ça, c'est vraiment mal placé. Alors, à la grande roue. C'est que Pokémon lui a tiré les oreilles. Alors. Donc, t'es dans le parc d'attractions là? Je suis dans le parc d'attractions, ouais. C'est. À mon avis, ça a pas l'air très sécur. Hein. Pardon, Jorus, pardon. Alors là, il y a que dalle. Alors pensez à changer les piles de la lampe, hein, parce que il est bien gentil Harry, mais on y voit que dalle avec sa lampe de merde. Harry, le pont est coupé. True Lies. Le pont est coupé. Qu'est-ce qui était bien, Simon? Et tu préfères True Lies ou la totale? La totale. Ah putain, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors j'ai jamais réussi à regarder la totale en entier, moi. Ah ouais? Je l'ai pas vu depuis très longtemps. Est-ce oui, que... oui, Neko-chan, praise the Helix, on est tous d'accord. Mais est-ce qu'il y a une explosion nucléaire dans la totale? Non. Ah, j'ai ouvert un portail. Ouais, mais c'est pas américain, c'est pour ça. Cinématique. Si tu me pardonnes, je te donnerai plein de cannelés, Jorus. Ah, bon, je te pardonne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est morte? Elle est pas sur une chaise roulante. Dans pas longtemps, c'est soit la bonne fin, soit la mauvaise fin, tout se décidera. Où elle a trouvé là, ça? Au manège, je suppose. Où elle a trouvé ça? Ça quoi? C'est un fauteuil roulant? Elle a les yeux rouges, hein? Ouais, je vais la buter. Non. Ça sent la petite fille négligée. Là, c'est toujours cinématique, hein? Ouais. Ok, elle me braque comme un gangsta. Mais non, mais il va pas avoir la pioche, attends. Le sang, non? Ah, le sang, on va essayer. Attendez, quelle est la logique là? Elle est possédée, on balance du sang. Elle utilise le Floros. Moi, ça me semble plus normal d'utiliser le Floros que le sang. Les gens disent Bukaka avec la bouteille rouge sur la policière. Oh! Ah putain, en plus elle tourne vite, hein. Bah c'est un manège, hein, de toute façon. Tout le monde nous dit effectivement la fiole rouge, hein. Ouh. Ouh. Alors bon, on va essayer la fiole rouge. Oui.
va essayer la pile rouge. Alors. Sybille. Petit verre de villageoise. Sybille. 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 T'as la conjonctivite, t'as les yeux rouges. On en suit les règles. Ah. Alors, soit elle est esquivée, soit on arrête. Elle fond. Je fond. Ah. Eh oh. Je double. Ah, c'est dégueulasse. Elle avait un parasite. C'est Starship Troopers 2. C'est bon. C'est bon. C'est dans, qu'on s'appelle le monde presque perdu. Snap out of it. Le moustique. C'est bon. Harry. What happened? Tu avais une grosse mite. Don't talk. I'll take care of you. Je m'occupe de toi. Harry. Why did they take your daughter? Bah, on aimerait bien savoir. Why her? I'm not sure myself. Ouais. But you know, Cheryl isn't my biological daughter. Ah, la vérité. Je l'ai trouvée sur la route. Un soir, le 6 juillet 66. We found her abandoned on the side of the highway. Oh merde! Nobody knew where she came from. Il y a pas eu une enquête. She didn't have any kids of her own. Ouais. C'est fou, il y a des mecs qui la cherchent. C'est ça. And it didn't look like she was getting any better. Je vais écrire des films. Ta femme est enceinte, donc tu voles des enfants. Non, elle était malade. So in that case. Ah oui. Si on dans ce gars, c'est pas grave. Cheryl and this town. Ah, je vais faire une relation. Ah oui, alors. Bah, la buter. Cheryl is my daughter. I will save her. No matter what. J'adore la cinématique qui tourne. Mais super pas cher la cinématique, quoi. Alors, vous disiez, la policière, elle connaît pas la ville, mais c'est pas sa ville. Hein. Elle suivait la voiture de Harry. Et en fait, c'est elle en suivant. Une prune, non ? Oui, c'est ça. Et en suivant la voiture de Harry, et du coup. le mec prenait le fils. Ah, mais moi je suis policier, mais. I figured you'd show. Tiki. Hold it right there. Elle a peur. I don't know who you are, what you're trying to do, and I don't care. Attention, il est énervé là. Just one thing. Mets-toi toute nue. Let Cheryl go. That's all I ask. Okay. Redrick, est-ce que tu pourrais nous retrouver qui est le doubleur de Harry, s'il te plaît? Je vais essayer. Attends, elle lève la main. Elle utilise la force. Mais oh merde, j'ai tout. Ah, t'as spoil. Mais j'y suis pour rien. Plus on dit une connerie grosse, plus c'est la vérité. C'est ça. Ah, bah oui, il y avait un mur invisible. Bah oui. Ah, c'est Lucie. Non, c'est dans Dune. Mais dans Lucie, elle le fait aussi. What is this? Ah, bah voilà. Ah, le Floros, enfin. Pyramid Head. Ah non, c'est bon. Alors, le Floros. C'est un Rubik's Cube de triangulaire en fait. C'est un Pokémon. Floros, je te choisis. Floros. Ah, bah il fait le scénario, c'est pas elle. Mais le pire, c'est que je sais même pas quoi. Ah, elle s'est fait traverser par la lumière. Oui, traversée par la lumière. Mais pourquoi c'est une éco. C'est un jeu japonais. Les écolières sont la source de tout le mal dans le monde. TGCJ. Ta gueule, c'est japonais. Il sert à rien le Floros. Ah, c'est Alessa. Dahlia Gillespie? Oh my god, where is she? Et je crois qu'en fait, Alessa et Cheryl ne sont la même et unique personne, et Alessa doit être le côté négatif. D'accord. T'as les pieds qui bougent tout seul, la gitane. Regarde, elle danse. En fait, c'est parce qu'elle bouge ultra vite. You've been a ghastly little pest, haven't you, Alessa? Ouais. I was careless. C'est un peu bizarre comme dialogue. Couldn't escape from our spell.
But Mommy didn't know how much you'd grown. C'est... That's why I couldn't catch you all by myself. Attention, ça peut tourner en porno à tout moment. But what a pity, méfiez-vous. Yes? Donc en fait, la vieille s'est servie de Harry pour attraper Alyssa. Mais pourquoi elle est redevable à cet homme ? What are you talking about ? Je sais pas. Alyssa, vous avez abrégé le jeu. Comment ça, j'ai abrégé le jeu ? On a sauté une partie. Sérieux ? Non. Non ! Get away from me ! Ah, ça y est, elle parle ! Non, attends, parce que la lumière a traversé. Non mais par contre, c'est qui la double? C'est un mec ou quoi? Oh, la crustation. Ah, on est sur la première PlayStation. Ouais, non mais... What's going on here? Blair Witch. Boss. J'ai peur. J'ai très très peur. À mon avis, tu as fini le jeu, mais pas la bonne fin. Fallait vraiment la décapiter. D'où elle sort, la infirmière? Oui, elle a l'œil qui... Ouais, pourquoi elle a un tic? Elle a un tic. Harry. Harry. Harry Mason. Lisa. Ah, il y a un lit, il y a une infirmière. Il manque un truc. Harry, listen. Something you said before has been bothering me. Ouais. I just can't get it out of my head. What is it? So I went to look in the basement. Even though la fille est morte. Scared as hell. Ouais. Like you said, there were these creepy rooms. Oh mais putain, mais allez où? Il met 3 heures, ça, c'est chiant quand il tourne autour du pot. But while I was down there, I got this weird feeling. C'est les sobs. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Ouais. C'est très important. Mets-toi à ma place. D'abord, assieds-toi. C'est l'infirmière Joël. What was it? T'as qu'à la fin, quelqu'un arrive. Oui, Pokémon, mais non. Help me. Il y a tout le monde qui est disponible. I'm so scared. I can't take this. Bon, j'ai pas trouvé le doubleur pour le moment. It's only a temporary thing. Alors. You're in shock from when you were knocked out. Qu'est-ce qu'ils sont calmes. Je suis sûr que même moi, j'aurais pu remember after. Je suis nul, ouais. Archi nul. No. C'est impossible. Après tout, bien sûr. Wait, where do you think you're going? Ok. Là, en gros, on est dans le dernier chapitre. D'accord. Si je... Ça, c'est le plus gros chapitre comme l'hôpital et je sais plus quoi. Ça dure aussi longtemps que l'hôpital. Sérieux? C'est un gros... quand je regarde la taille, après... J'ai pas vu ce qui se passait, mais... Moi qui pensais qu'on avait fini le jeu. Le chapitre se dit, s'appelle Nulle Part. Génial. Nowhere. 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 Et le chapitre suivant, c'est la fin. Mais arrête de spoil. Non, ça, c'est tous les chapitres. J'aime pas beaucoup le bruit de fond. Ouais, c'est moyen, ouais. On dirait genre qu'il y a des flammes tout autour et... Comme si on était en enfer. Oh putain. Oh, la caméra. Ouais. I'm being summoned. Non. What bah, happened okay. Non, demi-tour. Putain, casse-toi. C'est le bureau de Psychomantis. I'll find it. Un truc devant mes yeux. Cheryl. Alors, moi... Pour rentrer chez moi, je mets ma voiture dans un parking. Après, j'ai 2 escaliers à monter, une allée à parcourir. Avec les mouettes qui t'attaquent. Avec les mouettes qui m'attaquent. Mais je vais me faire caca dessus là pour rentrer chez moi. Tu peux t'en venir à la maison si tu veux. Alors, il y a des gens qui balancent sur Metal Gear Solid et le doublage. Alors, ce là, n'est pas, c'est impossible. J'étais à Zanzibar. Non, c'est impossible. Tu es mort à Zanzibar. Non, les mecs, quand ils racontent. Histoire avec les loups, je sais pas quoi, il a vu un reportage ou je sais plus quoi. Alors c'est vrai que le casting français, le doublage français du premier Metal Gear est assez kitsch. Dorshiob. Ok.
Ben non. Ah. Alors il y a Bambi qui nous dit de casser le verre, mais en fait c'est un jeu vidéo, ok. C'est on peut pas faire tout ce qu'on veut. Ah ouais, c'est. Voilà. Ah bah. Une interaction. Je passe au travers là. Alors elle nous dit d'essayer avec autre chose. J'aurais, je vais te faire des appels de poche. Des appels de poche. Des appels de poche. Des appels de poche. J'ai retrouvé le jeu qui ressemble à Pokémon. Hein. C'est Yo-Kai Watch. Ok, merci. Ok. Mais on vivait bien sans quand même. C'est fait penser. Mais viens dans le cadre un peu. Allez. C'est en. Ouais, vraiment... Est-ce que vous trouvez qu'on ne voit pas assez Reldric? Non, t'es chaud par contre. Ah oui. Ah, oh, oh, oh. Ah, arrêtez. La température monte. Ok. T'es, amène-toi. Ah, c'est Lisa? Non, non, on en a déjà tué des infirmières. Ouais. Allez, viens. Pif-le dans le. Putain, oh. Elle lui a. Il a eu un excès de motivation sur la fin. La caméra est géniale. Je tape, je ne sais pas sur quoi, mais je tape. Gros câlin, oui. Bon, bah c'est vrai que Silent Hill ressemble à un porno. Oui, là, avec le son. Là, il y a du monde. Allez, viens. Petit, petit, petit. Lapin. Viens. D'ailleurs. Oui, comme dit Sano, Yo-Kai Watch, c'est de level 5. C'est comme Inazuma Eleven, qui était un clone de Pokémon, mais avec des joueurs de foot. D'accord. Qui est très très bien. Oh, c'est un des jeux les plus vendus sur DS. Oh. Avec Dragon Quest. C'est vrai que ouais, Inazuma Eleven, c'est très bien vendu sur DS. J'ai joué le premier, mais j'avais adoré. Bon, après, j'ai vu l'anime. Allez. Tôt les deux ou trois premiers. J'ai arrêté quand ils détruisaient des collèges à coups de tir. Cette phrase est tellement irréelle. Non, tôt, j'ai arrêté. Ça, je l'ai vu. J'ai la saison d'après, c'est bon. Il y a un bond dans le futur, etc. Après, c'est comme le bus magique. T'as un bus. Il remonte dans le temps pour okay, donner. Ok, je suis dans l'école maintenant. Le joueur, l'esprit de quelqu'un. Moment, c'est pour le capitaine. Ils vont lui donner l'esprit de Nobunaga pour que ça soit plus fort. Donc, il remonte dans le temps. Ah, stop, ça va trop loin. Maintenant, je suis dans l'école. C'est Inazuma Eleven. Non, non, mais Chronostone, tu vois. Je crois qu'il y a encore un autre mot derrière. Et là, j'ai fait non, c'est pas possible, et j'ai arrêté. Bah oui. Bah oui. Bah on va essayer d'ouvrir l'horloge avec le tournevis. Ah, des infirmières travlo-bossu. Parce que quelqu'un a essayé de leur faire un enfant dans le dos. Effectivement, c'est sorti il y a plus de 2 ans, mais il y a le 2 qui est sorti aussi en deux versions comme Pokémon. La prochaine fois que je vois des cosplays d'infirmières de Silent Hill, je leur fais ah, vous êtes cosplayé en infirmière travelo bossu. Et je crois que c'est ma vidéo la plus vue sur YouTube, le cosplay de Silent Hill. Alors, qui a joué à Five Nights at Freddy's? Qu'est-ce que c'est? C'est OK, Nex demande, moi je ne connais pas. Ok. Nous sommes dans les souvenirs d'Alessa. Où est la logique? Où est la logique? C'est clair, j'ai pris un tournevis et tout, il me faut quoi? Pourquoi d'un seul coup il y a cette horloge et on doit faire quelque chose avec? Quel est le but, la réflexion? En fait, l'horloge ne marche pas. C'est, la réparer. Ouais, mais c'est pas des outils, c'est des armes en fait. Ouais, en fait, ça va pas être considéré, ça va pas être considéré comme un outil. Squeezie le fait, non? Ah, mais sérieusement, mais ouais, enfin, je cherche. Y'a quoi là? Y'a une fleur. Là, y'a rien. En fait, il est obsédé. Il fait non, mais l'horloge ne marche pas. Il faut absolument. Mais non, Cheryl comme... peut attendre. C'est pas comme ça. C'est l'horloge marche pas. L'horloge marche pas. Il faut la réparer. Si elle marche pas, ça va pas. 1, 2, 3. L'horloge. Il faut la réparer. L'horloge. Il y a une porte là? Ah non. Non, il y a du vide comme ça. C'est... Non, mais dans un monde de cauchemar. Donc, à la limite, la logique, on s'en fout quoi. Thank you.
Ah bah voilà, t'as la carte des États-Unis d'Amérique. On va se retrouver. C'est au Japan Expo. Non. Non, c'est quand même. C'est dans très très loin, c'est dans un an. Hein. Ouais. C'est en juillet. Non. Donc ça sera Japan Expo Sud, mais on n'y sera pas non plus. Mais est-ce qu'il y aura une Japan Expo Sud? Oui, cette année à Lille. Mais okay. Tant qu'on n'est pas invité, on est nulle part. Quoi qu'il s'est dit? Elle est fermée. Le mot agite. Et ah oui, Hagrid, c'est le gros dans Harry Potter qui se retrouve à Harry. Hagrid. Ah pardon. Ophiel. Hagrid, Ophiel. C'est pas des noms de démons, une connerie comme ça, ça? Bah attends, on va voir s'il y a marqué Samael. C'est sa chambre, c'est ça? On regarde où est Silent Hill sur. Ah regarde, ça c'est un. Le chandelier à 8 branches. C'était un des symboles qu'il y avait à la télé dans le Virgin. Ah, je m'en souviens un peu. Voilà, rétro Medinazia. Medinazia, il me semble que c'est pas en Belgique, je confonds. Je sais pas. Mais non plus, on n'y est pas. Tape. Je sais pas ce que c'est, mais. On est à Pau au mois de septembre. Et après au Toulouse Game Show fin novembre. Alors. J'essaye, hein. Ah non, mais tu fais bien. Mission. Mais c'est la comment on se fait de la cage, elle est toute rouillée. Je veux dire, tu la prends, tu la balances par terre et elle est ouverte, c'est bon. Bah, bien sûr, mais. Mais la logique dans les jeux vidéo. Une clé dans la cage d'oiseau. Ouais. Et en plus, il y a un bruit. Donc... Ouais, mais genre, c'est un oiseau fantôme. Ouais. Ça ne fonctionne pas. Je suis déçu. T'as vu la taille de la cage? Passe sa main dans les trous. Je suis pas passé par là. Oui, bah, on c'était bien. Avec la pince. Hey. Ah bah sur trois trucs, force. Et ça va se remplir d'eau. Bon non, on va pas la prendre. Okay. Five Nights at Freddy's, ça ressemble à du Outlast et compagnie. Ah mais il avait l'air flippant ce jeu. Oh, ah j'ai juste c'est quoi Five Nights at Freddy's. Ah j'ai vu juste l'image sur Steam, ça m'a fait peur. Alors Ophiel, c'est laquelle déjà? Pas celle-ci. Au moins il y en a une qui suit. Ah Ophiel. Ah c'est marqué. En plus c'est. Est-ce que tu pourrais nous trouver le doubleur du héros s'il te plaît? C'est. Mais après, c'est pas que ça nous intéresserait pas d'aller en Belgique. Mais il faut nous inviter. Bah surtout, on a, on est très très potes avec la bande de Saturday Night, Saturday Man, qui sont des Belges et qui sont très très sympas. Non, ça nous dérangerait absolument pas. Ah ouais, ça nous ferait même plaisir. Parce que le rétro Made in Asia. On n'est pas du genre à s'incruster. Mais on fait pas le déplacement comme ça si on n'est pas invité. Ok. Il faut voir avec les organisateurs. Ouais. Alors, il y a quoi là? 2. Alors, balance. Est-ce que tu veux prendre des notes? Alors, sinon, t'as un bloc-notes sur ton PC, non? Non, c'est trop compliqué. Okay. Ouais, c'est clair. Il est juste informaticien, cet homme. Non, mais sinon, je vois. Attention que je te cogne pas quand tu vois. Oui, j'ai un bloc-notes, regarde. Alors, 2 balances. 10 cancers. 2 balances. 10 cancers. 10? Ouais. Ensuite. 0 poisson. Ah, les poissons. Mais pourquoi notre chevalier du Zodiac, il lance des roses? Il lance des roses. Et bélier 4. C'est pas brebis? Tu fais quoi comme signe du Zodiac? Brebis. Ouais, mais Alba Fica, c'est trop classe. Comme chevalier du poisson. Alors. Attends, il n'y avait pas d'autres signes à côté? 2, 10, 0, 4. Mais non. C'est pas comme ça. Vas-y, donne. Donne le calepin. À mon avis, c'est quoi le symbole qui était au-dessus? C'était le taureau, non? C'est le taureau ou un singe? Un singe avec une queue et des jambes. Ouais, non, ça allait le taureau, là. Plus un taureau.
Y a pas des symboles sur le côté? Sagittaire. Le premier signe astrologique, c'est quoi? C'est le bélier, la première maison dans le chevalier du zodiaque. Heureusement qu'il y a la SNCR. Donc c'est bélier. Non, c'est taureau. Non, le taureau est juste à... Ah, d'accord. Mu, après c'est... Et après, il y a gémeaux, là. Après, il y a taureau. Après, le taureau, c'est qui? Gémeaux. C'est gémeaux? Non. Et ouais, je suis gémeaux, donc... Non, mais arrête, c'est ça. Et le taureau, c'est juste avant. Mais non, attends, dans le chevalier du zodiaque, c'est pas la maison des gémeaux. Les gémeaux, c'est la troisième. Il est à travers, c'est après le taureau, parce qu'elle est vide. Alors après, par contre, gémeaux. Là, ça se complique. Tu dois avoir normalement. Poisson, zéro. Alors c'est Capricorne. Poisson, c'est les derniers, c'est ça? Poisson, c'est. Hein, les derniers, c'est... ouais. Avant poisson, c'est vierge. Non, Verseau. C'est vierge ou Verseau? Vierge. C'est d'abord vierge, après Verseau. Non, attendez, Vierge, après Verseau, après poisson. Donc Verseau, c'est en dernier. Avant-dernier. Ouais. Verseau, c'est au mois de. Janvier. Capricorne, c'est au mois de décembre. Vierge. Capricorne, au mois de décembre. Et donc avant c'est 23 décembre c'est le Capricorne. Merde, Capricorne. Je comprends pas ta logique là. Bah, on a des numéros par rapport. Oh, putain mais comment il écrit ça? Cancer, ça c'est quoi? Balance. Gémeaux. Attends, alors on doit avoir le Sagittaire. Non, on nous donne les réponses. Non, on veut pas avoir les réponses, on veut trouver. Non, j'ai les premiers, c'est bon. Ok, bon je vais faire un tour ailleurs. Hein. Sagittaire, comment on appelle ça? Avant Sagittaire, c'est quoi? C'est pas Balance? Scorp. Moi j'ai jusqu'au Lion, j'ai les 5 premiers. Après Gémeaux, c'est quoi? Cancer. Puis Lion? Mais non, c'est pas Cancer après Gémeaux. C'est Cancer ou Scorpion? Non, Scorpion c'est en novembre. Spectre, il est. C'est Cancer, parce que mon père est Cancer et ma soeur est Lion. Cancer. Alors. Lion. Ça fait Balance. Ça fait jusqu'au fin juin. Okay, 20 août. Je crois que je les ai dans Balance et Scorpion. Ok. Ah, et après, on a la suite. Alors, après, on a Bélier, c'était le 4. Il est où Bélier? Ah putain, j'ai un problème parce que j'ai pas. Ah non, Bélier, 4. Ok. Poisson, 0. Cancer, c'est le 10. Et Balance, c'est le 2. Ouais. Verseau, c'est février. Je pensais qu'en notant sur un carnet, d'un seul coup les trucs, mais en fait, non, ça donne rien, je sais pas. Ton idée était bonne au départ, mais. O-D-I-L. Lido. Alors, Lyon avec un Y, c'est le club de foot. Hein. Je t'ai dit comme ça. Non, c'est la ville. Ou la ville aussi, mais. Alors là, il y a quoi? Ah ouais! Oh là là, mais sérieux! Bah, à mon avis, il faut que tu retournes là où il y avait les trucs. Attends, qu'est-ce qu'il y a marqué sur le. Alors. Linda Finley, Trevor White, Albert Lloyd, enfin. Hein. Alors, on a fait, ça y est, on a fait tous les chevaliers, on les a tous. Hein. Alors, on a toute la liste. J'ai vu qu'il y avait un truc avec des chiffres qu'il fallait taper. Bah oui, de toute façon, c'est des digicodes. Okay. Certains Michael G, le doubleur de Harry. Ah, d'accord. Michael G. Oh, mais sans déconner, mais il faut avoir Bac plus 15 pour jouer à Silent Hill. Je sais pas. Refais voir la liste des. Et non, regarde pas en haut. Je crois que je te vois pas essayer de tricher, Eldrick. Non, mais là, attends, qu'on avance un petit peu. Mais non, mais. Il faut pas. Ah bah non, là c'est beaucoup plus tard. Faut qu'on réfléchisse, attendez. Alors attends, là y'a quoi? Bah, les chiffres c'est après, hein, les numéros. Hein. On va d'abord taper des mots sur une porte. Alors, Sagittaire, c'est combien Sagittaire? Bah, Sagittaire c'est le 8ème signe, mais après. On va dire 8. Est-ce qu'on a récupéré des outils ou des clés pour le moment? Oui. Une pince et un tournevis. Taureau. La pince et le tournevis, ok. On en a fait quoi avec? Deux. Deux. Ouais, ouais, mais... C'est déjà coché, c'est bizarre. À la pince, on a récupéré une clé. Ça une est... clé et Gémeaux, okay. Gémeaux 3, mais... Alors après, on a pris à droite, on est rentré, on a avancé dans le couloir, et est-ce qu'on a inséré un code?
dans les J-code. Non. Donc on n'a pas pris une amulette. Non, c'est pas ça. C'est pas 8. Là, c'est ce qu'ils font avant d'aller dans la salle d'astrologie avec les signes. Ah, faut une amulette. Après, c'est ce qu'ils racontent. Ah, bah, je l'ai pas vu encore l'amulette. En fait, ils nous disent quand vous récupérez la clé d'Ophir. Ouais, ouais. Parce que tu desserres le robinet, tu récupères une clé. Ouais. Mais t'es pas allé ouvrir la porte. Et elle est utilisée pour ouvrir la porte marquée Ophiel. Bah oui. Je crois que sur l'intérieur, prenez à droite et avancez dans le couloir, puis insérez le code que je ne dis pas. Ça, sur la clé. Le digicode. Ça, la clé de la porte d'Ophiel, attends. Et je vais revenir un peu sur le chat. La clé d'Ophiel, c'est celle-là. Alors, Sagittaire, c'est le 9e, non Oui, c'est celle-là. C'est le 8e signe. C'est celle-là, Ophiel, regarde. C'est marqué. Bah, rentre dedans. Donc, je prends à droite et je rentre. Là, il y a le digicode avec les lettres. Voilà. Et c'est quoi le truc qu'il faut taper? Moi je sais. Bah c'est bon, lâche. Alerte. Et si en fait il y avait un code qui nous tuait et que le mec sur le chat nous a dit. Et maintenant je dois récupérer l'amulette, quelque chose dans cette pièce. Mais tu retournes à la trouver parce qu'après il y a une top garou suceuse. Et... Ouais. Ava, c'est plus flippant que tous les jeux Silent Hill. Il y a une amulette dans cette pièce? Ouais, elle doit être dans la pièce d'après, ça doit être une pièce sas. T'es sûr de vouloir ouvrir cette porte? Non. Il s'est mis en position déjà. Génial, c'est la morgue. Bah, il peut rien t'arriver, ils sont tous morts. Je crois que c'est l'amulette. C'est l'amulette de David, l'amulette de Salomon. Bah, ouais. C'est juif, hein, David Salomon. Alors. Il a pas la force. Bonsoir, de Bonsoir, Bolomaru. Bonsoir. Ouais, il y a plein de monde qui est arrivé. Alors, la version finale de PT, la démo n'auront absolument rien à voir. Hein. Attention, Benjamin, derrière toi, c'est affreux. Lisa, qui s'est foutu là? Lisa. I get it now. Why I'm still alive, even though everyone else is dead. Ah, c'est la mère biologique de. Comment s'appelle? De. De la gamine? De Sherry? De la gamine, ouais. The same as them. I just hadn't noticed it before. Y'a un truc qui bouge là. Lisa. Ton téléphone. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Ouais, moi aussi je commence à en flipper. Save me from them. Please. Pourquoi elle avance comme ça? Harry. Ça fait peur. C'est clair. Il recule aussi. Alors, soit c'est un bug, soit c'est la play. Non, ça. Cinématique. Cheryl Crow. C'est la meilleure cinématique. Oh bien, elle se transforme. Et la plus triste. La musique est sympa. Effectivement, la scène du visage, comme il dit sur le chat. Oh, cool. Ah non, tu vas là, il défoncer ça. Oh, fais chier. Mais bon, il s'en prend toujours aux meufs, ce mec. C'est clair. Il est assez misogyne, je trouve. Ah oui, je pense que c'est en se mettant comme ça que... Lisa. Ouais. Vas-y, ouf. Mais non, fallait... Oui, mais elle a laissé son journal. Ouais. Ouais, c'est... Ok. Ah, quoi?
C'est sale. Ouais. Oui. J'aime pas. Mais de quoi, vers la mort, tu veux dire? Ouais, voir, j'étais pas dans la dernière pièce. Non, elle a disparu alors. C'est ça. Jolie musique. Oui, la musique est jolie. Mais ça me fait baliser. Bah, y'a. J'ai pas regardé le chat. J'ai raté les deux dernières minutes, hein. J'ai pas vu ce que les gens ont dit. Et pourquoi, comment tu sais que tu dois mettre alerte? Là, je sais pas comment. Isa vient de se rendre compte que ce qu'elle est déjà, ce que vous avez vu, c'est son fantôme. D'accord. Elle savait pas qu'elle était un fantôme en fait. Elle se rend compte qu'elle est morte, c'est classe. Y a pas son nom sur la liste, genre un truc comme ça? Ce serait marrant. Non. Donc là, j'arrive au... Faut retourner maintenant à la salle d'astrologie. Bah j'y vais, ok. Donc je vais rentrer les codes. C'est quoi le code? Alors ça correspond au nombre de pattes, on me dit. 4. 6. 2. Pour le taureau. 2 pattes? Ouais, est-ce que t'en... Ah non, t'en vas 4. Alors ils m'ont dit des conneries ou quoi? 4 alors. Ah, attends, redonne la feuille. Redonne la feuille. Alors... Les poissons, ils ont 0 pattes. 8 alors, pour le gémeaux. Attendez, les balances, ça n'a pas 2 pattes, les balances. C'est 2 pieds. Et cancer, 10. Ouais, c'est parce que t'as les... Cancer, c'est un crabe. Les 2 pinces et les... Ah, et donc, alors, si on compte les pinces, on doit compter aussi les... Les pattes, c'est les bras pour les animaux. Voilà. Alors, ça fait quoi? Bah, ça fait 4. Là, c'est 8. Ah non, bah ouais, 8. Là, ça marche pas. Mais non, mais tu t'es trompé, il faut mettre 6 au Sagittaire. Ah, bah oui. Tu comptes aux Gémeaux, tu leur comptes les bras, mais pas au Sagittaire. C'est dégueulasse ce que tu fais. Ouais, parce que je me suis trompé au début. Ah, voilà. Attention. Si c'était pas ça. Ah ouais, 8. 4. Pop. Eh bien, merci la personne qui nous a aidés. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffret? En fait, c'était logique, il fallait surtout. Pierre de temps. Ouais, faites remarquer bélier 4, cancer 10. En fait, c'est la photo de la balance. On va comprendre. Ah! Oh putain, sa mère! Mais sa mère, mais ta gueule! Mais putain, mais je nous fais flipper! Mais j'ai pas rien! Je vous ai vu les trois en direct là. Oh la connasse! Oh tu m'as dé. Ah mais j'ai le cœur qui pleure. Oh putain, il fait brille! Alors. Bon, on va sortir de là, on va aller. Je sais pas où. Ah, il y a The Stuff qui nous fait la honte de ne pas connaître l'ordre des maisons du Zodiac. Je te félicite. Alors, je n'ai jamais regardé Senseiya. Jorus, tu m'as scié. Mais putain, mais c'est. Ah, la vidéo doit être pas mal à revoir. Et ça sera pas tu mens à la fin. Ouais. Mordecree. Mordecree. Ils se moquent tous de vous. C'est pas grave. On est toujours en vie. Attendez, vous croyez que c'est facile ou quoi? Ah mais en fait, il finira jamais Outlast, Hob. Hein. Parce que là, c'est pas flippant à côté de Outlast. Il finira jamais vivant à Outlast. Ah,
alors. Peut-être qu'il ne finira pas vivant. Mais il passera pas les deux premières pièces, hein. C'est plutôt les deux premières pièces, une fois que c'est dans le noir, qu'il y a les psychopathes. Donc, là, tu vas utiliser la clé pour utiliser la clé. Attends, tu veux faire quoi, là? Tu veux utiliser une pierre pour... Ouais, est-ce qu'il y a un embout carré devant, regarde. J'avoue. Mais non, mais il y a une... c'est une serrure. Ouais, mais... Tu utilises plutôt le talisman. Attends, écoute, on va essayer. Oh putain. Attends, essaye, hein. Ah, déjà, pierre, non. Bah, si ça me... Non. J'aurais fait que j'ai pas une clé quand même. Tu vois que tu vas me faire ouvrir une clé pour avoir une clé. Bah ouais. Non. Ah, peut-être dans l'horloge. Un marteau, un sous-sol. Ça me rappelle un morceau de pété là. Ouais, c'est des strikers ou des streakers. Ça n'a rien à voir avec Stop, effectivement. Donc Zendar qui a raconté l'anecdote où il finit en caleçon sur le... pour le film double. D'accord. Tom, faut que tu fasses péter de The Stove. Non, non, il faut pas. Il faut pas, on n'y jouera jamais. Il y a une seule pièce hein, dans, le, dans la démo. Hein. C'est une seule pièce. Ouais, il y a un couloir, il y a deux étages, une sorte de deux étages en fait. Non, non, c'est un couloir avec une salle de bain. D'accord. Et après, tu es en escalier, et quand tu ouvres la porte, tu re-rentres dans la même pièce, en boucle. D'accord. En fait, tu. C'est géométriquement impossible le niveau de PT. Parce que tu descends un escalier mais et tu arrives au pour finir la démo, c'est pas possible. Mais en plus, j'ai lu que l'histoire du bébé là c'était aléatoire en fait. En fait, là, pour finir, tout le monde a sa solution. La solution qui revient, c'est qu'il faut jouer au micro et parler au bébé. Parler dans le couloir en fait. Oh putain! Ou plus tard, c'est le rassemblement là. Tourne-toi. C'est pas la Saint-Jean, mais ça y ressemble. Et j'ai pas. Attends, et pourquoi tu mets pas les décharges sur routine? Il y en a qui finissent la démo en 3 minutes, il y en a un tous les 2 heures qui sont encore. C'est ça que j'y mets, tu vois. Pas bouger. Voilà. Donc c'était l'intro du film, le match de tennis en fait. Sérieux? Je sais pas, c'est ce qu'ils sont. Ah non, non, mais je viens de me faire 3 infirmières de merde pour cette pièce là. 3 infirmières pour lui et il est pas content. Une chambre, 3 infirmières, des cris bizarres. De multiples possibilités. Merci Nadia Rafal. La station ne fonctionne pas. Remboursé. J'ai l'impression que tu vas toujours à un endroit et que tu fais toujours la même chose. Tu sais qui on dirait là? On dirait Fred. Mais non, mais attends. Fred n'a pas le sens d'orientation dans tout. Non, ces non, jeux. Fred n'a pas de logique quand il joue. Non, mais attends, je suis perdu en fait. J'étais Il y a 3 pièces. Il y a 3 pièces. Mais regarde la carte. Link the Sun est quelqu'un de très sympathique, la carte. D'ailleurs. Là, du coup, il doit y avoir l'horloge. Ok. Est-ce que j'ai un truc pour toucher l'horloge? Il y a un gros truc carré dessous. Ah, oui. Là, ça semble logique, là. Voilà, là, on va mieux. Là, l'horloge fonctionne, on se sent plus épanoui. Il y a des monstres partout, on est en enfer, mais l'horloge fonctionne. Elle t'a pété à la gueule. Ouais. Logique. Voilà, tu prends du temps, tu répares l'horloge. Maintenant, j'ai la clé à Git. Non, c'est la clé, c'est là, à Git. C'est Faleg. Non, c'est Faleg. Ah, désolé, hein, c'était mal écrit. Alors là,
passer au Freeman. Plein de gens ont hâte pour Outlast. Je prends l'ascenseur. Ouais, moi aussi j'ai hâte, je sais pas, enfin je crois. Je monte au troisième. Ou pas au deuxième. Je sais pas. Et donc oui, ils vont se chier dessus en fait. C'est surtout Hob qui va se chier dessus. Ouais, je pense, ouais. Un hôtel sacrificiel. Ah oh, bah ça va. Oh putain, j'aime pas la musique du tout. C'est clair. Ah cool, on va jouer au solitaire. Si je pensais à la même chose. Je me demande ce qu'il vénère, le malin. Allez, on va descendre au deuxième étage. Donc il peut pas rentrer chez lui. C'est même pas sa fille en fait. Il a trouvé au bord de la route, on s'en cague. Allez, deuxième étage. Deuxième étage. Alors. D'ailleurs, Xandar, est-ce que tu mettras aux enchères ton caleçon? Allez, mets-toi. Allez, mets-toi. Je vais te faire ta fête. Faudrait faire, tu sais, dans les... Ouais, je vais te passer le bain à l'éponge. À la fin de l'année, il y a des Game Awards qui récompensent les jeux vidéo tout au long de l'année. Ouais. Ouais. Et meilleure pense... caméra ? Ouais, meilleure caméra et pire caméra. Hein ? Je crois que cette année, c'était... pour l'année dernière. C'était The Last of Us qui a gagné 90%. Oh ! Oh, mais t'es sérieux, là ? Oh, tu vas te faire... Tu vas te faire... Je vais te faire défoncer par une infirmière et un petit scalpel. Ils offrent 2 euros pour les caleçons. Pour le caleçon, excusez-moi. Ça va, on m'a fait. Garce. Caméra mal fait, placée. Ah oui, non, sur TP non pété. Mais il n'y a que Fred qui peut faire des tests sur PlayStation 4, il n'y a que lui. Ouais. Ah, il ouais. Y a The Stuff aussi qui est là, qui a une PlayStation 4. Moi, je la prendrai en octobre, mais pas avant. J'ai pas d'intérêt à la prendre avant. Ouais, j'ai failli avec les promotions de la semaine dernière, mais j'ai résisté. Il y a des belles promos ? Elle était tombée à 360, elle était tombée. Oh, un peu moins même, je crois, à 345 ou un truc comme ça. Bah moi j'ai vu sur la Fnac à 360 avec un code mis de jeuxvideo.com. Il y avait un autre site qui faisait une promotion et elle tombait un peu moins cher que 360. Il y a des sites en général qui donnent les bons plans comme le Journal du Geek ou GamerGen qui dans la journée dès qu'ils ont des infos comme ça qui préviennent les gens donc putain de caméra. J'ai une étoile de ninja satanique. Oui, c'est le médaillon de Salomon. Une étoile de ninja, ou l'étoile de David ou... Allez, mets-toi. Et c'est le médaillon de Salomon dans l'inventaire. Ah mais... Oh ! Oh ! Genre une infirmière depuis 1968. T'es. Oh ! Tiens ! Coup de pied dans les burnes, infirmière ! Vous en pensez quoi des lives de Fred ? Bah c'est très bien ! Bah c'est bien, dont moi après j'en regarde des morceaux, pas entièrement. Moi j'ai vu que Silent Hill. Moi j'ai regardé un peu quand on est allé au cinéma, quand il... Moi j'étais défoncé. Il y a autre chose. Lui, hein, il a testé un FPS. J'ai regardé la fin, c'était marrant. Un appareil photo. Génial. Ah, tu vas pouvoir prendre des photos. Non, je n'ai pas de Paul là, non. Le seul bémol de ces lives, c'est sa connexion en fait. Parfois il y a des... comme ça s'appelle, c'est... La connexion s'arrête en fait. Il y a pas autre chose. Des lives de stream. Je crois pas, non. Je crois pas, j'appuie sur la table, je veux dire. Ouais, c'est un stéthoscope, c'est tout. Non, ça, c'est la ceinture qui... oui, pardon. C'est une entrave, même.
Bon, et après, il est, ça va bientôt faire une heure que tu joues de nouveau, donc... C'est pas grave, on fait une troisième heure. Non. Alors... Là, c'est là d'où je viens. Par où on en est ? Ouais. Je vais... Alors, là, il n'y a rien. Génial. Je vais trouver un point de sauvegarde, hein. Taper le code. Une chambre, chouette. On a récupéré des trucs. J'ai la truc de Salomon. À part ça. Une plaque de métal est vissée sur le mur. J'ai un tournevis. Je récupère la plaque de métal. Il a que ça à faire, quoi. Il s'agit d'un petit bureau avec un appareil photo. Ça, on l'a. Je crois pas qu'on ait. Ah, t'es sérieux là ? Bah oui, il faut que t'ailles arrêter les générateurs et du coup tu vas récupérer le marteau. Ah, mais ils sont où les générateurs ? Bah, ils sont au sous-sol, comme tous les générateurs. Ils sont pas là, parce qu'on entend un bruit de générateur. Tu viens de re-rentrer dans la pièce. Je vérifie l'hypothèse de Redrick. Non, y'a rien. Pas, non, je sais pas, on les entend, donc de... pas être... Ouais, c'est le bruit de la clé en fait. Le courant est très fort, je pense. Le courant est très fort avec celui-là. The current is strong with this one. Là, j'en viens. Alors. Pour une date sur le salon de PlayStation 4. 2015-2016. Ouais. Quoi, non, il y en a qui demandaient une date pour le prochain Silent Hills. Silent Hills. Silent Hills. C'était où le... Après le... À mon avis, après le Metal Gear Ground Zero, de toute façon. Le Metal Gear The Phantom Pain. Oui, il sortira bien après. Vu que c'est Kojima qui chapote... C'est où déjà la pièce de sauvegarde ? Et avec la... C'est pas à gauche ? Ouais, voilà, là, c'est pas ça ? Non, on n'a pas encore fini, ouais. On finira la prochaine fois. L'orientation, donc Non, je cherchais pas cette pièce-là, en fait. Je cherchais la pièce du début. Tu cherchais la pièce pour sauvegarder ? Ah oui, pardon, excuse-moi, je croyais que tu cherchais la pièce pour sauvegarder, en fait. Alors... Là, y'a rien. Normalement, on devrait finir la prochaine séance. Écoute, ça sera cool. Hein, dans 15 jours. Semaine. Ouais, dans 15 jours. Je ne suis pas là la semaine prochaine. Ça serait bien de trouver le générateur, là, vite fait, avant de partir. Ou pas. Ou pas. Mais au moins de repérer un peu les lieux. Donc là, on a fait tout ça. Le journal qui m'a servi à que dalle, hein, merci. Ça, on s'en fout. Ça, c'est la pièce avec le robinet. Si, Metal Gear 5, on va le voir dans pas longtemps. Hein. Dans 6 mois, il devrait sortir. Hein. Alors apparemment, d'après les rumeurs... Il sortirait en 2014. Donc ils sont jusqu'au 31 décembre. Parce qu'après, j'allais dire, soit il sort, il est sorti, c'est novembre, décembre. Sinon, après les sorties de février, il risque de se faire défoncer avec tous les gros jeux qui sortent en février. Après, c'est pas un jeu qui, de toute façon, se vendra autant qu'un Assassin's Creed ou un GTA. Plutôt, y a la grosse exclue The Order qui sort en février. Et t'as The Witcher qui sort en février aussi. The Order ? The Order 1886. Ah oui ! Oui, le truc avec les loups-garous, là. Ouais, avec des loups-garous, c'est très beau, le jeu. Je sais pas si ça sera jouable, mais... Alors, je sais pas où elle est. Je sais le générateur. Là, c'est la salle du robinet. Argol revient juste pour la fin. Ah ben écoute. Bon ben, on pourra peut-être le trouver la prochaine fois. Ouais, on le trouvera la prochaine fois, ouais. Donc, et j'ai toujours pas le plan, ça c'est un peu con ça. Ben écoutez, on a bien avancé, je pense. Donc allez, la prochaine fois, on se le finit. Donc, il nous manque la clé du générateur pour ouvrir
la cage aux oiseaux. Ouvrez, ouvrez. La... Hein? Et Pierre Perret, si tu nous regardes. Mais une fois qu'on aura le générateur, on aura une deuxième clé. Mais on aura le marteau. Pierre Perret? Oui. Je sais pas. T'es pas mort? Je sais pas. On ne sait pas. Oui. Voilà. Donc on se voit dans 15 jours pour la suite des lives. La première heure sera diffusée demain matin sur YouTube et la deuxième partie jeudi prochain pour combler notre absence. Donc, ouais, j'espère. Oui. Oui, mon absence. J'espère que tout le monde a passé une excellente soirée. Non, ouais. Moi j'ai eu peur. Surtout les gens qui ont eu peur quand Hop crie. Et puis on se voit très bientôt pour un prochain live. Et si au bout de 2 heures, on n'avait pas fini, vous faites une troisième heure. Oh, allez, on finira de toute façon la prochaine fois. Passez une bonne soirée et une bonne nuit. Et puis bon week-end à tous. Bye bye. Bonne nuit. Ciao.